Salut, voici un résumé de ce qu'il s'est passé aux Étoiles de Mougins le dimanche 21 septembre 2014. Les piments d'Espelette de Serge Gouloumès sont venus dire bonjour à Sébastien Chambru qui a pu apprécier le livre de Serge Gouloumès. On a croisé le chef Schmitt du tube à Cannes et Nina Tarasova, chef venue du froid Saint-Pétersbourg avec ses pâtisseries parfaites. Là, elle explique qu'elle adore la France parce qu'on est simplement les meilleurs. Voilà. Puis il y a eu le pique-nique des chefs organisé par Château Collection et on s'est régalé. Le chef Grelet du Meurice a fait atelier Place de Galles avec le chef couvreur. Le concours du jeune sommelier. C'est un vin que je conseillerais de servir. Je suggérerais une aération pour ce vin. La seconde, oui, c'est un exercice. Gagne ce concours sommelier cette année, Mathieu Quetglas. Ouais, allez Mathieu, très bons applaudissements Mathieu, dans le champion. Un phénomène, seulement 3 mois de sommellerie et 21 ans. Ça prend du temps. Ça c'est bien, arrête-toi, tu as la photo là, tu as la couverture de Paris Match, tu as. Les chefs ont fait une battle avec des tops façon camouflage. Gérald de Passeda, 3 étoiles au Petit Nice à Marseille. Et la finale du concours du jeune chef consacré à la pâtisserie. Deuxième assiette, celle de Mathieu Marchand, chef pâtissier du Marandi, à Mougins. Dans une fantasia, et la recette de Mathieu, c'est un réveil chocolat à base de chocolat et de confit. Avec le jury composé de professionnels de la profession, attention, présidé par Christelle Bruat. Les Tops Brûlés, association qui défend la tradition culinaire niçoise et menée par David Faure, a été honorée pour ces 2 heures d'animation extraordinaire. Vous avez fait cet après-midi, et pour qui, pourquoi, comment, combien et où? Non, donc nous c'est les Tops Brûlés, il n'y a pas de nom. David, combien? Ouais, on est autour d'une quinzaine. Quinzaine de l'association, combien de portions? Aujourd'hui, je crois qu'on a passé les 2000. 2000 portions en 1h30? Donc 2000 portions et chaque année pour Bois Mougins, heureux d'être là, très fier d'être là. Attention, là, en seconde position. Et les résultats du concours du jeune chef. Sébastien de l'église, l'hôtel Chalet-Maudier, les deux femmes. Et Thomas Cubillon. Très applaudi par tout le monde. Donc c'est le moment ou jamais de faire la fête à David Barra, René Chalou, le biologiste. Voilà, Dordogne. Voilà, voilà. Photo, on ne bouge plus. On ne bouge plus, qui clap Belac. Ça, c'est sa photo. Et puis, ça a été le moment de se dire au revoir et merci de plaquer Christelle Bruat et de s'offrir une séquence émotion. Bah écoute, tu sais que c'est pas un exercice très facile pour moi, cette petite vidéo. Je voulais te faire un énorme bisou tout simplement pour te remercier de ta participation à cet événement. Je suis vraiment ravi d'être là et voilà, je voulais te faire un gros bisou et te dire de surtout rien changer. Voilà, t'es parfaite comme ça. Salut. À l'année prochaine.